Bonjour, chers paroissiens. Bonjour. On se retrouve pour un chemin de croix, l'étoile rouge. On est un signe. On va attendre que vous soyez quelques instants en ligne. Pour commencer, voilà, bienvenue au chemin de croix qui va commencer dans quelques instants. Pour nous disposer les cœurs, nous pouvons chanter. Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli. Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus-Christ. Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix. L'amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus-Christ. Voilà, on est une petite vingtaine à être en direct. Nous vous proposons de commencer maintenant par refaire sur nous le signe de croix pour entrer dans ce temps de prière, ce chemin de croix. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Ô croix sagesse et suprême, ô croix de Jésus-Christ. Ô croix sagesse suprême, ô croix de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu lui-même, jusqu'à la mort obéit. Ton dénûment est extrême, ô croix de Jésus-Christ. Première station, Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. La foule demande la mort de Jésus, alors qu'elle l'avait acclamé lors de son entrée à Jérusalem. Demandons à Dieu, pour nous-mêmes, la constance, la fidélité, l'humilité, la capacité à reconnaître Jésus, Fils de Dieu, Sauveur du monde en toutes circonstances, lorsque les choses vont bien, lorsque les choses tourne parfois plus mal. Seigneur, aide-nous à être fidèles, à te suivre en toutes circonstances. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous les fidèles défunts reposent en paix. Amen. Mystère du calvaire, scandale de la croix, le maître de la terre, esclave sur ce bois, victime dérisoire, toi seul es Deuxième station, Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. La croix est lourde,
Jésus, innocent, accepte pourtant de la porter. Plus encore, il prend sur lui nos péchés. Cette croix sous laquelle nous devrions être écroisés, écrasés, c'est Jésus qui l'accueille par amour pour nous. Demandons la grâce d'accueillir les épreuves comme Jésus, de porter nos responsabilités dans le monde pour faire grandir le royaume de Dieu. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent dans la paix. Amen. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font. Tu n'as jugé personne. Tu donnes ton pardon. Pas tous les pauvres pleurent. Pas tous ont fait souffrir. Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui Troisième station, Jésus tombe pour la première fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. Jésus tombe contre le sol, affaibli par la croix et les coups. Il descend dans nos faiblesses humaines et prend sur lui nos propres chutes. Mais parce qu'il est Dieu, il a le pouvoir de nous en relever. Dans les difficultés du quotidien, acceptons-nous d'être aidés. Demandons à Jésus cette humilité pour continuer de cheminer avec lui. Nous pouvons confier tous nos malades qui sont dépendants des autres pendant ce confinement. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Quatrième station. Jésus rencontre Marie, sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Jésus monte au Golgotha. Marie est présente, transpercée de douleur. Jésus croise alors son regard et trouve la force d'accomplir la volonté du Père. De même, quand nous avons de la peine, Marie est encore là. Elle nous console de son regard et intercède pour nous. Confions-nous avec affection à Marie, refuge des pécheurs dans nos moments de doute et de souffrance, dans notre isolement, dans toutes les difficultés que nous pouvons vivre dans ce temps de confinement. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes
êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cinquième station, Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Le Christ a besoin d'aide. Simon de Cyrène, un homme présent dans la foule, est réquisitionné par les soldats romains pour l'aider. Seigneur Jésus, aide-nous à te servir avant même qu'on nous le demande. Aide-nous à être attentifs aux besoins de nos frères, aux besoins de ceux qui souffrent. Aide-nous à nous porter à leur secours. Fais-nous partager ta compassion. Aide-nous à nous soucier de la croix des autres. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes de tous les fidèles défunts reposent en paix. Amen. Amen. Ô, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Sixième station, et Véronique essuie le visage du Christ. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Véronique, dans la foule, voit le visage de Jésus couvert de sang et de sueur. Elle veut lui venir en aide. Elle brave les regards, traverse la foule et avec douceur essuie le visage du Christ. À l'image de Véronique, demandons la grâce d'oser affronter les injustices, d'oser témoigner de notre attachement au Christ en toutes circonstances. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Guide mon âme. Septième station, Jésus tombe pour la deuxième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Brutalisé, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau traîné à l'abattoir. Jésus est à terre, la foule se moque de lui, mais il ne répond pas aux insultes. Dans un apparent silence,
il répond par l'amour à la violence. Il nous enseigne la foi au-delà du mal visible. Devant les scandales qui meurtrissent l'Église, demandons la grâce d'un regard de foi pour toujours voir le bien que le Christ continue d'accomplir en elle. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Amen. Du mal perfide, oh, garde-moi. Sois seul mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des yeux. Huitième station, Jésus console les femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous et vos enfants. Même dans sa souffrance, Jésus nous redresse et nous enseigne. Il va au bout de sa mission. Il nous invite à pleurer nos péchés dans la lumière de la miséricorde de Dieu. Parfois, nous nous laissons envahir par la tristesse, mais Jésus veut nous en libérer. Laissons-le nous consoler et nous réconcilier avec lui. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais-moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis fait à Neuvième station, Jésus tombe pour la troisième fois. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Seigneur Jésus, en contemplant la troisième chute sur ton chemin de croix, aide-nous à nous laisser pénétrer de ton amour immense. Cette troisième chute témoigne de ce jusqu'au bout de ton amour pour nous. Aide-nous à l'accueillir, à le recevoir et à y répondre. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Amen. Mon Père, en toi je me confie. En tes mains je mets mon esprit. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi.
deuxième station, Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jésus est mis à nous, est mis à nu devant nous, avant d'être crucifié. Les soldats romains vont même tirer au sort son vêtement. Dépouillé, faible en son corps, Jésus reste fort dans son âme. Il nous invite à nous défaire du superflu, agir en nous. Prions pour les consacrés, les prêtres et les religieux, qu'ils suivent Jésus dans son abandon. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent dans la paix. Amen. Aimer, c'est tout donner. Onzième station, Jésus est cloué sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est désormais sur la croix. Ses dernières paroles sont comme un testament de son immense amour. Du haut de la croix, il voit au-delà de nos fautes, veut pour nous le pardon afin de nous faire entrer au ciel. Remercions Jésus pour son pardon inlassable et demandons la grâce de pardonner en retour à ceux qui nous ont offensés. Prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous. Par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Aimer, c'est tout donner. Et se donner soi-même. Douzième station, Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. Voici le sommet du calvaire. Jésus meurt, il nous donne sa vie. Cela, nous le revivons à chaque fois que nous assistons à la messe. En ce temps de confinement, où nous ne pouvons plus vivre la messe, nous pouvons demander à Jésus de faire grandir en nous ce désir de la messe, de pouvoir communier à nouveau. Et Seigneur Jésus, nous te remercions d'avoir donné ta vie pour nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Torrent d'amour et de grâce, amour. Ce grand fleuve qui passe.
grâce. Je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le Saint-Lieu. Treizième station, Jésus est remis à sa mère. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Marie recueille le corps de son fils dans ses bras. Elle qui fut comblée de recevoir le corps du Christ en son sein à Nazareth, puis dans ses bras à Bethléem, le corps de son fils vivant et croissant, elle reçoit au pied de la croix le corps de son fils mort. Puisse l'espérance de la Vierge Marie rester intacte au pied du calvaire, être aussi la nôtre, dans les temps d'obscurité ou d'inquiétude, dans les temps d'épreuve. Que la Vierge Marie nous accompagne et nous aide à grandir, à rester dans l'espérance. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quatorzième station, Jésus est mis au tombeau. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Le corps de Jésus est déposé au tombeau. La lourde pierre est roulée, mais la mort n'est qu'une étape et la lumière de la résurrection s'apprête à jaillir. Ce tombeau fermé est l'image de notre cœur. Il est appelé à se rouvrir. Demandons à Dieu l'ouverture du cœur, qu'il soit rempli de foi, d'espérance et de charité. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent dans la paix. Amen. La paix.
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Amen. On vous donne rendez-vous demain midi. Voilà, merci d'avoir suivi ce live, ce chemin de croix. Rendez-vous demain. Bon appétit. Et merci de votre fidélité. À très vite. Au revoir. Au revoir.